Ce message vous est proposé par Roua TV Channel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Les 70 disciples reviennent avec une joie. Seigneur, Seigneur. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Acclame le Seigneur. Pourquoi Jésus voyait Satan tomber du ciel? Continue. Voici. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je veux que quelqu'un se lève pour marcher sur les serpents de sa vie. Marche. Mais sur les serpents de la maladie, les serpents de la pauvreté, les serpents de la malédiction, les serpents du célibat, les serpents de l'échec, les serpents, les serpents de la stérilité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit sur le serpent. Il n'a pas dit sur le serpent. Parce qu'il sait que l'homme sera confronté à beaucoup de problèmes. L'homme sera confronté à beaucoup de situations nuisibles. Ces situations viendront de quelqu'un qui veut forcer le plan de Dieu sur la terre. Et c'est cette personne-là que Jésus a déjà vu et il a demandé expressément qu'il tombe du ciel. Alléluia. Quand Jésus dit dans sa parole, je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair, ça veut dire qu'il a vu Satan se précipiter vite sur terre. Quand Jésus l'a fixé, Satan avait tellement peur qu'il a glissé pour tomber. Dis amen. Quand quelqu'un glisse de l'étage, il va plus vite que quelqu'un qui marche. Tellement il a eu peur du regard de Jésus-Christ. Afin de te faciliter à entrer en contact avec ce que lui Dieu il a établi dans le royaume des cieux. Parce que rien ne peut s'accomplir sur la terre sans que ça ne soit spirituel. Toute bénédiction est au préalable spirituel avant de se matérialiser. Donc il faille que Jésus enlève Satan du ciel et établisse en tant qu'homme spirituel dans le royaume des cieux pour donner le commandement. C'est toi qui dois guider les pas de Satan. Parce que Satan est en bas de toi. Alléluia. Jésus, le voyant tomber, a élevé ton âme, ton esprit et ton corps et t'a mis au-dessus de Satan. La Bible dit à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, ce que Dieu est, est-ce que tu es? Ce que Dieu a, c'est ce que tu as. Alléluia. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous transmets ce même pouvoir. Pour dire, si Jésus a eu la capacité de voir Satan tomber rapidement du ciel, c'est que toi aussi tu as la capacité de voir Satan tomber du ciel rapidement possible. Et ce soir, il faut que tu dises, Satan, l'heure est venue, lâche prise, tombe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan est venu te mentir. Satan est venu te faire croire que tout ce que Dieu a dit pour toi ne peut pas se réaliser. C'est pas la Bible appelle le menteur. Satan est venu t'accuser parce que tu as péché dans le jardin d'Éden. C'est pas la Bible appelle l'accusateur. Satan est un diviseur. Parce qu'il a mis dans ton cœur que tu n'as pas à aimer ton frère. Il n'a que haine pour triompher, haine pour se venger. Alléluia. Et si nous citons cette identité, c'est plutôt ses attributs, c'est pour que toi aussi, tu ne fasses pas comme Satan. C'est pour que tu ne sois pas comme Satan. Parce que si tu accuses quelqu'un, amen, c'est que tu as pris le chemin du diable. Si tu n'es pas avec ton frère, tu n'es pas avec ta soeur, et que tu divises les familles, c'est que tu as pris le chemin du diable. Donc tu es un agent satanique. Dis amen. Thank you.
Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Si tu passes ta vie à passer ici, tu parles un peu. Tu t'en parles un peu comme ce qu'il faisait dans le jardin d'Éden. Il parle un peu à Ève. Sais-tu pourquoi Dieu dit de ne pas manger ce fruit? Alléluia. C'est toi qui passes ton temps dans les maisons en train de critiquer. Est-ce que tu sais? Et quand tu critiques, tu critiques doucement. Est-ce que tu sais? Et quand tu vois la personne. Alléluia. Satan a possédé ta vie et ta bouche. Ça doit sortir. Tu dois vomir ça au nom de Jésus. Frère, soeur, nous devons être des baptisants de Jésus-Christ de Nazareth qui établissent la vérité, la justice, l'amour et la miséricorde. Voici ces âmes que je cite que Satan n'a pas dans sa vie. C'est quoi ce genre de... Celui qui hait son frère et sa soeur est un meurtrier, d'où un sorcier. Mon frère, tu m'écoutes ce soir. Si ton cœur est rempli de haine pour qui que ce soit, pour celui qui t'a offensé, c'est que tu as fait des efforts pour sortir de là. Car ta vie est hypothéquée, emprisonnée par le diable. C'est pourquoi tu n'es pas encore heureux. Satan t'amène à te renfermer. Satan t'amène à tout te méfier des autres. Satan met en toi des actions ou des leçons qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas des choses dites par Dieu, lui qui t'a créé. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'avait créé, il avait un plan qui était juste, bon et agréable pour toi. Amen. Juste, bon et agréable. Ce Dieu qui t'avait créé savait de quoi tu avais besoin. Et comme Satan ne voulait pas que tu sois heureux, parce que précipité sur la terre par le chef d'état-major de Dieu nommé Saint-Michel Archange, il a commencé à jalouser contre tes biens. Et comme il sait que l'homme est farouchement lié au matériel, il est venu tout de suite mettre sa main sur la terre. Parce que c'est la terre qui produit toutes choses. C'est sur la terre qu'on réduit de l'homme. Ce n'est pas la terre qu'on réduit l'argent. Ce n'est pas la terre qu'on réduit toutes les richesses. Même les arbres. Donc pour jeter, il a hypothéqué. C'est pour cette raison que quand vous lisez l'évangile de Saint Matthieu, les tentations de Jésus, c'est tout cela qu'il a proposé à Jésus. Et Jésus n'a pas succombé. Dis à ton frère, je ne succomberai plus jamais. Il est venu prêter le pouvoir à Jésus. Parce que lui-même, il aime le pouvoir pour dominer, pour assujettir, pour détruire, pour piétiner. Le pouvoir qui, en réalité, est un élément que Dieu a donné à l'homme pour servir l'autre, a été transmis par Satan pour dominer l'autre. Vous comprenez? On voulait le pouvoir pour servir vos frères. Vous prenez le pouvoir pour marcher sur eux, pour les réduire en esclavage, en prisonnier. Laisse-moi te dire ce soir, quand tu rencontres Jésus de Nazareth, même si ta famille n'est pas d'une famille royale terrestre, laisse-moi te dire que tu as une famille royale céleste. D'où tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Personne n'a le droit de tenir cette image glorieuse en toi. Mais je vais te le dire ce soir, notre problème, c'est que nous avons peur. Et Satan a mis ce virus dans notre cerveau. C'est pourquoi Jésus a plusieurs fois annoncé, même Dieu, depuis la Genèse à l'Apocalypse, 365 fois, ne crains pas, je suis avec toi, ou bien n'aie pas peur. C'est deux mots similaires. Parce que la peur, c'est la clé d'ouverture du diable pour entrer dans ta vie et détruire, établir tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais vient du diable. Regardez son règne sur la terre aujourd'hui, parlant de ses œuvres. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce que Satan fait. Lui qui crée des maladies intérissables dans ta vie. Alléluia. Il y a des maladies intérissables dans ta vie. Tu vas à l'hôpital, on cherche la maladie, on ne voit pas. Pourtant, tu es malade. Amen. Donne-nous sa aventure. Allez voir le marabout. Fais du chien, mais on ne voit pas, mais tu es malade. Il y a un esprit qui est dedans qui te fatigue.
Amen. Mais cet esprit règne doit finir. Parce qu'il y a donné le pouvoir. C'est Satan voulant te faire souffrir qui te mettait dans une situation de pauvreté. Afin de vivre une vie interdépendance de lui. Tu dois dépendre de moi. Car je veux que tu sois riche. Si tu veux être riche, voilà ce que tu as à faire. C'est l'histoire des bouteurs aujourd'hui. Soit tu sors avec ta mère la nuit. Soit tu sors avec ton fils. Soit tu offres ta partie intime. Soit tu sacrifies quelque chose. Laissez-moi vous dire, si tu veux quelque chose de grand sur la terre, Satan va te demander un plus grand sacrifice. Si tu veux aussi quelque chose de glorieux dans le Seigneur, tu as aussi besoin d'un grand sacrifice. Chaque sacrifice a ses conséquences. Chaque sacrifice a ses résultats. Fils de ça. Jésus, voulant s'asseoir sur le trône, est obligé d'accepter la crucifixion. Il est mort pour gagner la royauté. Amen. Grand sacrifice. Nous avons peur. Pourtant, nous disons, quoi? On n'est pas né pour souffrir. Laisse-moi vous dire, l'authenticité de la vie de l'homme passe obligatoirement par la souffrance. Dis amen si tu es d'accord. L'authenticité de la vie d'un être humain passe par la souffrance. C'est ce que Dieu regarde pour voir si tu es fidèle à lui ou si tu démissionnes facilement. Et comme Satan sait que l'homme sait incliner son cœur quand il manque et injurie Dieu, alors tout de suite, il met la main sur tout ce que tu as, les terrestres qui fait ton honneur. On pourra le découvrir dans l'histoire de Job. On voit Satan qui atterrit dans la vie de Job. Ayant pris permission auprès de Dieu. Dieu lui dit, hey, tu peux aller, mais ne touche pas à son âme. Il va, il arrache les biens de Job. Job demeure toujours intègre. Prieur. Il arrache les enfants de Job. Job demeure intègre. Il arrache tout ce que Job a. Il subit la persécution même de sa femme. Parce que sa femme lui a dit, mais maudit Dieu. Il a osé dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et c'est depuis ce jour que Dieu a compris que l'homme est capable de défier le diable. Depuis ce jour, l'homme est capable de défier le diable si son cœur n'est pas emballé dans les choses de la terre, mais plutôt dans les choses de Dieu, dans les choses du royaume. Si son cœur est accroché au royaume de Dieu, en vivant ses réalités par la parole de Dieu, en obéissant à la loi du Seigneur, en vivant ce que dit son Père, en vivant les obligations, les principes et les commandements, en vivant ce que Dieu lui-même est venu vivre sur terre. Car Jésus était l'exemple, l'aspiration et la volonté de Dieu accomplie sur la terre des hommes. Ce que Jésus a fait était ce que Dieu faisait. Car il a dit, je vois mon Père travailler et moi, je suis à l'œuvre. Mon frère, ma soeur, ce soir quelque chose doit changer dans ta vie. Ce soir, quelque chose doit changer dans ta vie. Parce que tu as toujours mal interprété ta vie. Tu as toujours mal interprété ta vie car tu n'as pas vu le faire d'apprécier même la souffrance que Dieu met devant toi pour t'apprécier et te repositionner. Alléluia. Dieu veut que tu sois pour certaines contradictions. Dieu veut que tu le sois. C'est pourquoi Jésus était capable de dire la dernière arme de Satan, c'est quoi? C'est quoi? C'est la mort. Quand il a tout fait, quand il n'a pas pu, il met la mort devant toi. Ou il frappe ton système nerveux. Ta pensée la nuit, tu dors, c'est la mort que tu vois. Ce sont les parents qui sont morts que tu vois. Toi-même, tu te vois, tu es dans le cercueil. Toi-même, tu te vois au cimetière. Toi-même, tu te vois. Tout ça pour te faire peur. Une manière de dire, tes frères. Ouais, c'est moi, Satan. Ou bien c'est moi, la mort, tu vas mourir demain. Et tout de suite,
Qu'est-ce que l'on fait? L'homme qui n'est pas accroché au Seigneur, l'homme qui ne comprend pas que la vie sur terre est un passage, car Satan est le dominateur du monde. Lui, son règne finit sur la terre. Toi, ton règne finit dans les cieux. Dis amen. Car il y a un chant qui dit, dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons accueillis. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons accueillis. Jésus m'a sauvé. Et toi? Si Jésus t'a sauvé, on doit voir. C'est-à-dire ta pensée. À partir de l'instant où tu as reçu le salut de Dieu dans ta vie, où tu as reçu Jésus dans ton cœur, il doit avoir automatiquement une transformation au niveau de ta pensée, de voir les choses que ce que voit Dieu. Comment Dieu apprécie des choses néfastes? Comment Dieu voit? Est-ce que Dieu, il est dans une assurance, une conviction, une patience, une persévérance? Ou bien est-ce que Dieu panique? Alléluia. L'homme a peur de mourir. Dis amen. Bravo. Si c'est vrai, on tape, on fait un banc. Si c'est pas vrai, on fait deux bancs. Je les ai eu. Alléluia. L'homme a peur de mourir. Mais peut-être il sait qu'il va mourir demain. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus de Nazareth a pris le temps de nous informer. Il nous a dit une parole qui est certaine, mes frères et mes soeurs. Oh mon Dieu. Il dit, n'aie pas peur de celui qui peut tuer la chair, mais qui ne peut pas faire périr l'âme et l'esprit. Car pour faire périr l'âme et l'esprit, il faut moi, Dieu. C'est moi qui ai apporté de la vie à l'homme. La vie pour la retirer, c'est moi. L'homme qui est en moi, pour le tuer, il faut passer par moi. Mais le plaisantin qui dit qu'il est en moi, pour l'avoir, c'est facile. Alléluia. C'est pour cela que je te dis, ne joue pas avec le choix que tu as opéré en Christ. Si tu as choisi de suivre Jésus, vis profondément ta vie avec le Seigneur. Car ta destination dépend de ton choix. Si tu as bien choisi Jésus, que tu as vécu ce que dit Jésus, rien ne pourra t'arriver. Car la Bible nous dit, écoutez, dis à ton frère, écoute. Dis-lui, écoute. La Bible nous dit, en Ésaïe 43, verset 14. Ésaïe 43, verset 14. Je dis la parole. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui parle. Votre Rédempteur. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. À cause de lui. Rédempteur veut dire celui qui t'a sauvé. Celui qui vous a sauvé des pharaons de l'Égypte. C'est lui qui vous parle. Il dit, à cause de vous, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. À cause de vous, j'envoie des ennemis contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens. Et même je fais descendre tous les fuyards, les Chaldéens. Sur les dont ils tiraient gloire. Oui. Vous comprenez? Pour toi, Dieu peut s'élever pour détruire un autre peuple. Dis amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que les gens mijotent dans le secret contre toi, Dieu peut s'élever et les détruire à cause de toi seul. Dieu peut exterminer toute une nation pour te sauver toi seul. Alléluia. J'ai un ami prédicateur qui partait prêcher au Ghana. Il a pris le cas. Arrivé à Elibou, il a eu mal au ventre. Amen. Du coup, il veut aller se faire du bien, signer un dossier à long terme. Dis dossier à long terme. Parce que c'était un problème diarrhématique. Dis diarrhématique. Alléluia. Il s'en va, il tue là-bas. Et quand oublie qu'il y a un de ses clients, un passager, qui est en brousse en train de signer un dossier à long terme. Il y a des diarrhées là. Quand ça t'attrape, mon frère, ça t'a attrapé, hein? C'est au moment où tu veux t'élever qu'il veut venir encore. J'appelle ça des trucs à répétition. Dis amen. Et le monsieur est parti.
depuis qu'il a sauvé, son porte-monnaie était dans sa poche. Qui tenait son passeport. Et le cas qui partait est parti jusqu'à. Il y a une ville quelque part là-bas, Takoradi. Voilà. Le cas tombe. Et les gens meurent en désordre. C'était une société ivoirienne. Alléluia. Voyez-vous comment Dieu a pu créer une situation négative pour sauter la vie de son fils d'un pire malheur. Vous comprenez? Dieu a risqué la vie de toutes ces personnes-là pour le salut d'un seul qui devrait continuer la propagation de son œuvre sur terre. Alléluia. C'est pas parce que les autres n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais lui, il est particulier. En toute chose, il y a des particularités. Tu peux faire 1000 enfants, mais il y a un qui va t'accrocher. Il y a un que tu vas aimer que les autres. Pourtant, tu aimes eux tous. Dis amen. Ça là, c'est pas un mensonge. Et c'est comme ça. Et Dieu nous dit aussi, pour mieux comprendre, en Isaïe 43, verset 2 à 5. Je lis Isaïe 43, verset 2 à 5. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Les fleuves ne te submergeront point. Laisse-moi te dire. Oh God. Tu sais ce que signifie les eaux? Tu connais les eaux? Alléluia. Les eaux expriment les problèmes, les grands problèmes de la vie. Dis amen. Alléluia. Les grands problèmes de la vie qui peuvent même amener à te suicider. La calomnie, la persécution, les accusations injustes. Alléluia. Des situations qui te prennent la tête et tu ne comprends pas à quel sein. Tu ne comprends pas où tu t'en vas. Ça te détruit, ça te détruit. Comme le virus du sida. Ça te tue un peu. Au point où tu deviens un mort parmi les vivants ambulants. Ça te submerge. Ça te dépasse. La Bible dit, quand tu seras ces situations, l'eau ne pourra pas te détruire. Alléluia. Continue. Si tu marches dans le feu. Si tu marches dans le feu. Dis à ton frère dans le feu. C'est-à-dire, si les gens eux-mêmes, ils ont créé des pièges pour t'attraper. Ils ont monté des coups. Tu as tombé dedans comme Daniel. Au chapitre 6. Daniel au chapitre 6. La Bible nous dit, il y avait des gens qui étaient jaloux. Yeah. Donc ils ont fait un coup. Pourquoi on jette Daniel dans quoi? Dans la fosse au lion arraché, famé. Mais comme Jésus était en Daniel, dit amen, les lions n'ont même pas pu casser, même toucher à un os, ni à la peau de Daniel. Dit alléluia. Si a fait ça pour Daniel, à cause de sa loyauté, à cause de sa fidélité, de son intégrité, et que tu es pareil comme Daniel, rien ne t'arrivera. Le sorcier va venir jusqu'à dans ta maison. Dis amen. Il va te regarder, il va dire, en réalité, les gens m'ont envoyé. Il va dire, les gens m'ont envoyé. Abidjan, j'ai une connaissance. Et ce monsieur nous prie, je rends toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Et voilà que le monsieur, ses amis sont allés voir un marabout. En particulier une femme. Avec qui il sortait avant. Alléluia. Nous si on n'a pas honte. On rentre partout, on sort partout. Enfant de boss, c'est boss. Chien de boss, c'est boss. Mais boss, c'est boss. Alléluia. Voilà que le monsieur ne voulant plus de cette relation, il coupe avec la femme, mais il s'occupe de la femme. Parce que la femme en réalité était veuve. Donc ne voulant pas la voir comme ça, il lui donnait par mois
300 000 francs. Il achetait une maison pour la femme. Autrement dit, tu es à l'aise. La femme, dis la femme, elle n'est jamais rassasiée. Quand vous mangez, mettez le reste là où. C'est pas le diable ne joue pas avec vous. Soyez sobre un peu. Dis à ton frère, sois sobre. C'est le médicament contre Satan qui est là, la sobriété. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Soyez sobre, soyez vigilant. Quand votre adversaire, le démon, rôde autour de vous comme un lion qui rugit, cherchant à vous détruire. Mais résistez-lui par la foi, il fuira loin de vous. Qu'est-ce qu'il dit? La femme allait voir un marabout. Et le monsieur lui dit, donne-moi le nom du monsieur. Alléluia. Il donne le nom du monsieur parce que on prie beaucoup pour lui. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Alléluia. Et comme il fait beaucoup de dons, on le connaît. Vous voyez, dans la vie, des actes parlent de toi. Si vous voulez que Satan vous lâche, posez des actes concrets. Tu ne donnes rien à Dieu. Ça veut dire que ta vie est attachée à ton argent. Là, il va te tuer. Il va te manger. Parce que tu as une main comme cocobé. Ça peut casser graines. Même femme coco du. Tellement tu es à Tchébé. À Tchébé, grande famille. Ça, c'est un micro que tu dois chasser. Dis, sors à Tchébéiste. Tu es mauvais. Tu as hypothéqué ma prospérité. Dis à ton frère, le bien appelle le bien. Le mal appelle le mal. La femme s'est levée, elle donne son nom. Le monsieur dit, elle vous a dit, elle dit au monsieur, si tu fais jusqu'à, tu n'as pas pu la voir, faut tout faire. Parce qu'au départ, elle voulait quelque chose où le monsieur va toujours lui donner au moins 1 million par mois. Maintenant, hein, écoute mon frère. Hein. Elle dit, si tu n'arrives pas à la voir pour qu'il donne 1 million, il faut le rendre fou. Là, moi, je ne gagne pas. Sa femme ne gagne pas. Personne ne gagne. Un temps, tu oublies que les mois qui vont suivre après sa folie, tu as pu avoir 300 000 ans. Ouais. Ouais, comment Satan joue à les gens? Les gens qui ne sont jamais rassasiés, là, ils n'ont qu'à se poser des questions. Ils ne sont pas loin du royaume du diable. Alléluia. Et voilà, quand le monsieur a regardé, il a dit, bon, il faut partir, j'ai préparé les choses. Quand il est parti, il a commencé à tirer enquête. Parce qu'il a pris, il a cherché à savoir où le monsieur travaille, dans quel quartier le monsieur réside. Donc il va tirer les enquêtes, il arrive là-bas et tombe sur le monsieur. Alléluia. Il dit au monsieur, ah, vraiment, on m'a envoyé pour te tuer. Voilà, 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 voilà. Tu donnais l'argent à une femme. Tu lui donnais 300 000, c'est une veuve. Tu la connais, hein? Il dit, oui. Elle était quoi pour toi? Il dit, ah, c'était ma maîtresse. Il dit, ah, voilà, elle veut que je te tue. D'abord, elle dit, elle veut qu'elle fasse médicaments pour que tu puisses lui donner 1 million par mois. Et si je n'arrive pas à ta voix sur ce fait parce que tu pries, je te rends fou. Donc, comme quand je voulais faire, je me suis imaginé, j'ai dit, mais quelqu'un qui est mauvais, comment il puisse donner 300 000, acheter une maison pour une femme? Donc, moi, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je suis venu te dire, il faut te méfier d'elle. Alléluia! Il y a des sorciers que Dieu va envoyer vers toi pour démasquer le plan des autres sorciers contre toi. Dis amen. Vous savez, Dieu est capable de créer le faux pour tirer le vrai. Dieu va étudier ton ennemi pour te protéger sans te rendre compte. Quand tu es dans la justice divine. Dis amen. Ce que je te dis, ce sont des réalités. Des choses que moi, pas dans ma, j'ai vécu. Dis amen. Les
gens m'ont empoisonné, fatigué. L'enjeu a écrit mon nom sur Canary. Ils ont pris cette aiguille pour piquer, piquer dessus un tissu blanc rouge. Un cola. Et bien, viens mettre devant ma maison. La Bible dit, je vous ai donné un pouvoir. Vous marcherez. Il n'a pas dit, vous allez trembler. André, berger, t'es où? Où ça? Il a dit qu'il a donné le pouvoir qu'au berger. C'est à ceux qui ont cru, ceux qui sont devenus enfants de Dieu là, c'est à eux que Dieu a donné ce pouvoir. Les gens ont mis et regardé ça comme ça, ils ont craché dessus. Il a pogné ça là-bas. Il dit, tu es normal. Je t'ai pas dit que moi, il y a 20 ans. Merci parce que tu es venu me montrer que je suis un homme fort. Alléluia. Quand tu es un fort que tu vois ça, tu commences à trembler. On dirait poulet qu'on a égorgé. Dis à ton frère, Dieu dit, sois serein. Apprenez à combattre Satan que vous voyez. Il y a des gens tous les jours. Sors. Il suffit d'un serpent devant eux. Il dit, oh, prends la maison cadeau. Tu es sûr que c'est Satan que tu es en train de chasser. Tous les jours, sors. Le feu. Mais le serpent qui rentre a dit, prends la maison la cadeau, Joe. Laisse-moi te dire, quand on est en train de vouloir te faire du mal, c'est que tu es un homme important pour la vie. Quand tu n'as pas une destinée puissante, on ne peut jamais t'attaquer. Si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'étoile révélée dans le monde invisible, on s'en fout de toi. Quand est-ce que tu as vu braqueur braquer un fou? Tout simplement parce que le fou n'a rien et puis il n'est rien. C'est pas Jésus a dit rien ne vous arrivera. Donc, quand on vient, on trace un trait de ta maison, fais ça. Il a été dit que toi, tu es venu me révéler. Tu es venu me montrer que je suis un homme très important de prendre ma vie au sérieux. Mais il a été dit que le maître a commandé que j'ai un pouvoir. Et je crois dans mon cœur que j'ai un pouvoir de marcher sur toi. Là m'a été donné parce que la Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a révélé que Dieu ayant fini de créer le monde, il m'a donné le pouvoir de continuer la création. Tu n'es pas un homme simple. Moi j'aime dire aux gens, mes amis, on s'assoit, on regarde ensemble. Après, bon, bien deux, bien trois, bien, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas la même chose. Donc on a qu'à se respecter, quoi. Il reste combien de minutes même? Il reste un peu. J'étais au bureau. J'ai ma cousine qui apparaît. Elle est âgée comme ça. Elle vit dans son corps un mal qui se déplace. Parce que puis tu vois, hein? Là tu vois, c'est comme une boule. Ça passe ici, puis ça marche jusqu'à. Elle allait partout, dit partout. Vous savez, quand vous passez partout pour une cause, ça veut dire que vous êtes sur le chemin du traumatisme. D'où le mal peut tout de suite aller jusqu'au côté psychologique. Et quand c'est enregistré par notre schisme, tu ne peux plus être libéré. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Et ça, il n'y a que toi seul pour t'en défaire. Même un médecin ne peut rien faire. Et c'était ce qui lui est arrivé. Elle disait, un jour qu'elle partait se laver, entrer dans la douche, elle voit quelqu'un qui est au mur. Vis-à-vis. Elle voit quelqu'un au mur, mais vilain. Il y a des crachats sur lui. C'est quoi ça? Elle crie, mais personne n'entend sa voix. Et la chose disparaît. Pendant ce temps, elle avait encore le mal dans son corps. Donc partout elle va, c'est prière. C'est un médicament qu'elle est partie, où ça? Au Burkina, elle allait voir dans Canary, où elle était baptisée, dit amen.
Elle allait voir féticheur, clairvoyant, prophète, homme de Dieu. Obet, dis à ton maman, Obet. Mais nos pères étaient capables de lui expliquer que l'aggravement, ça s'est dit non? L'aggravant sous l'aggravement. Donnez-moi un mot des deux. Oh, tape dedans un peu. La gravité du mal dépendait de sa conception. Donc hier, yeah, elle arrive devant moi. Et puis je la regarde et puis elle commence à me moquer d'elle. Parce que je lui ai fait subir quelque chose. Ma maison, elle est devant. Et bien, le petit frère, ma maison, elle est où? Elle dit, je suis en bas là-bas, tu ne vois pas l'étage qui est en bas là-bas là. Je la vois, hein. Mais je te vois marcher dans la marche que tu vois sur là. Car l'homme ne souffre pas pour avoir quelque chose, il ne considère pas ça. La vie spirituelle, elle est difficile que quand tu ne maîtrises rien. Il y a ce qu'on appelle l'histoire du vieux renard. Donc je l'ai bien fatigué. Quand elle est venue s'asseoir, elle me met 5 ans, elle est venue chercher quelque chose. Et là, on dit quoi? Et d'abord, il a insulté, mais tu es bête quoi. Toi, vieille comme ça, depuis. Tu peux, les gens vont venir beaucoup tout à l'heure. Il hein. Y a quoi même? Et puis, elle commence à expliquer, ça fait 12 ans, petit frère. Toute la famille sait. Quand tu appelles là, mais quand tu en te parlé même, c'est toi, toi, tu as une famille, il faut laisser ça. Tu es venu ici pour parler, ton problème, parler de famille. C'est quoi? Parle! On a fini de parler. Dis amen. Je lui ai dit, grande soeur, la gravité de ton mal, c'est toi. C'est toi qui as créé les conditions. Sinon, le diable est diable à partir de ton corps. Quand il sortait de ton corps, là, c'est lui que tu as vu au mur. Là. Depuis cet instant, si tu avais pu le mal sans être troublé, qu'on priait, tu t'es guéri. Il dit, ah bon, il dit, donc il n'est plus en moi. Il dit, voilà ce qu'il a mis dans ta tête. Il t'a fait croire qu'il t'habite. Et c'est ça votre différente vie. Les maris de nuit qu'on chasse à toi à travers à tout moment. Toi, ton mari, là, s'il ne va pas, c'est que toi-même, tu ne veux pas divorcer avec lui. Toi, garçon, va la journée, tu ne vas jamais aussi. C'est pour la nuit là qui te plaît. Tu as vécu. Femme, bam, jolie, jolie, Orija. Orija, on voit partout. Toi, tu ne vois pas aussi. C'est pour la nuit là que tu vois. Toi, tu as vécu. Alléluia. Et comme cela, on a fini. On a parlé de boire en prier. 12 ans, la boule est là, tu vois. Nous prions, on a prié, on a prié, on a prié. Et j'ai prié avec quelqu'un qui vient à peine de se convertir, qui n'a même pas un petit baptême, qui ne sait même pas prier. C'est là que j'ai compris que quand tu prends ton salut au sérieux, en même temps, le Saint-Esprit vient accomplir ton salut et peut t'utiliser pour sa gloire. Et le petit était à côté. Quand j'ai commencé, il s'est mis en genoux. Il a levé ses mains vers la croix. Et puis il a commencé à prier. Puis j'ai commencé à prier. Aujourd'hui, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Moi-même, je t'ai cherché. Vous savez, même si tu n'as pas de faute, il faut effrayer au moins la personne. Dis amen. Aïe, Bobo, tu vois, le Bakaman, là, il est petit comme ça. Mais ça bouge. Nathalie a frappé. Il a assisté à une scène. Le monsieur est en bas. On est en train de le botter. Puis il crie, mais femme, mais il fera. Lui, on est en train de le tuer. Là, il dit à l'autre qui est celui-là que lui va le tuer. Hein? Mais c'est biblique, les gars. Si tu n'apprends pas à minimiser, à réduire, à neutraliser la situation, les attaques, les combats dans ta pensée, ça va te détruire toi-même. Et c'est ce que David nous enseigne en attaquant Goliath. Qu'il dit à Goliath? Goliath dit, aujourd'hui, je vais livrer ta tête aux oiseaux du ciel, aux poissons. C'est ça, non? David aussi dit, moi aussi, j'ai livré ta tête. Et puis, comment David va faire? David dit, moi, tu combats contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je combats contre toi avec le nom de l'Éternel. Il dit, Éternel. Dis amen. Et du coup, j'avais là qui a créé. C'est l'Éternel. L'Éternel là qui l'a créé. Personne. Donc entre les deux là, qui est apte à détruire qui?
Vous voyez que David avait déjà vendu Goliath à Dieu. Donc c'est normal déjà. David voyait la victoire dans sa pensée. La victoire ne pouvait que s'accomplir pour sa gloire. Et c'est cette leçon-là que Jésus avait nous enseigné dans Luc au chapitre 10 en disant, je vois Satan tomber du ciel. Satan, c'est un esprit. On ne peut pas l'attraper à minuit. On ne peut pas. On est là presque par ses œuvres dans la vie de quelqu'un. Et voilà que nous prions, prions, prions. Et puis il lui a dit, tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Hey! Et puis il fait, Himosokaya papa. Tu me connais? Hey Satan, il y a longtemps j'ai fait délivrance. Hey, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Commence à prendre ton bagage. Tu vois, façon je cours dans la chapelle. Suis-moi. Hey, avant que je ne te maudisse. Je n'ai même pas fini. Elle n'est pas tombée en transe. Quelque chose est sorti comme ça. Elle m'a dit, André, quelque chose sort de moi. Il dit, il m'a cherché. Il m'a trouvé. Alléluia. 12 ans de souffrance. On a réglé le problème en 1 heure du temps. Quand on a fini le monter à mon bureau, elle est assise, elle ne veut pas partir. Sors. Il y a des gens qui nous attendent. Tu vois derrière là. Sors. C'est fini. Maintenant, si tu veux, faut être païenne. Après tu es païenne, les gens vont venir encore. Parce que ce que tu vivais, on t'a jeté ça depuis le Bénin. Et cela est venu ton premier mariage. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Ton mari que tu as appris n'était pas béninois? Elle dit, oui. Elle dit, ah bon? Ce monsieur était marié au Bénin, mais t'a pas dit. Elle dit, qui t'a dit? Elle dit, tu penses que moi je ne le sais pas? J'ai tiré des enquêtes. J'ai su que tu étais malade, j'ai tiré des enquêtes. Donc je n'ai pas prié comme ça. C'est pourquoi il a dit, il m'a cherché, il m'a trouvé. Il veut toucher à mon sang qui est toi. C'est que c'est à moi. Dieu veut vous établir comme des soldats dans vos familles pour effrayer ces satanistes qui veulent pénétrer dans vos familles pour les détruire. Est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Ne tremble plus. On n'a pas besoin d'âge. On n'a pas besoin d'être vieux pour freiner les œuvres du diable. Dis amen. Amen. Le Saint-Esprit, tu le prends au sérieux et tu es rempli. Et quand il te remplit, c'est pour te faire démentir Satan. C'est pour montrer à Satan qu'il ne peut rien contre toi. Quand il te rend libre, il veut que tu sois libre. Amen. Délivré. J'ai pris ma route. Je n'ai pas jeûné. Dis amen. Moi-même, ça fait près de 4 ans que je jeûne. Pas quand je jeûne arrivé, il me dit, j'ai fait. Il dit, envoie un checker ici. J'ai frappé ça pour mon bonheur. Je ne suis pas. Quand on dit, mais regarde, il n'y a même plus de graisse dans mon sang. Le docteur même dit, Damas n'a plus de graisse. Et comme on m'a prescrit, manger où il y a graisse dedans. J'ai regardé, il dit, vous êtes vaincu. Quand tu as graisse là, tu meurs vite. Donc quand Satan voit ta chair là, ça fait miam, miam, miam. Non. Et puis l'âme ça bouge quand même. Et puis la nuit vient. Prends un peu de manger, tu vas manger. Et quand tu manges, c'est calé dans ta gorge. Et puis matin, quand tu te lèves, ton ventre te fait mal. Ma soeur, c'est un petit problème. Tu n'as qu'à mettre ta main sur ta bouche. Tu dis, tiens, tu es vaincu. C'est fini ça. C'est fini. Satan, s'il vous plaît, le vainque. Répliquez automatiquement quand il vous attaque. J'ai dit répliquez automatiquement quand il vous attaque. S'il vous insulte, insultez-le. S'il vous tape, quand vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Tapez-le. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. S'il envoie les gens contre vous, levez-vous aussi contre eux. Dans le combat spirituel, il n'y a pas pitié dedans. C'est vie et mort. Dis amen. On a choisi. Jésus dit, je l'ai vu tomber. Mais quelqu'un qui vient telle vitesse, vous êtes sûr qu'il va vivre? C'est que peut-être son pied est cassé. Dis amen. Ça, c'est que Jésus a eu pitié. C'est pas que David a dit, attaque ceux qui m'attaquent. Et il a dit dans le Psaume 57, mon petit, prends-moi ça. Psaume 57. Et vous allez comprendre que le Seigneur
ne joue pas avec ses enfants. C'est nous qui jouons avec nous-mêmes et puis Satan nous perturbe. Mais cette année, tu enlèves ta main dans ma famille. Un point et détruit. Tu enlèves ta main sur la vie de mes ennemis. Car mes ennemis doivent me permettre de grandir. Des points. C'est tout. Parce que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous me disent. Quand tu as les bénis, il faut te lever encore. Dis amen. Ceux qui ont pris ton argent qui ne payent pas, tu bénis Dieu pour eux. Parce que si malheur à toi, ils ont pris ton argent qui sont pauvres, que toi tu as eu l'argent avant eux, ils vont venir t'escroquer encore. Prie Dieu pour qu'ils aient avant toi. Parce que tu dois être assuré de savoir que tu vas avoir avant eux. Dis amen. Et tu vas avoir plus qu'eux. Dis alléluia. Faut jamais souhaiter que quelqu'un soit pauvre dans ta maison. Dis amen. Si pour eux, on commençait à marcher, Seigneur, il faut faire prospérer. Parce que quand moi, pour moi, il ne faut pas venir me fatiguer. Dans la vie, les grands hommes, Dieu les cache pour les révéler après. Je dis bien, Dieu les cache pour les révéler. Un moment venu, il les présente et tout le monde cherche et puis il les retire de la scène. Après, il les repositionne. La vie de Jésus-Christ de Nazareth peut nous l'enseigner. La vie de Moïse peut nous l'enseigner. La vie du prophète Élie peut nous l'enseigner. La vie d'Élisée peut nous enseigner. La vie de Daniel peut nous enseigner. La vie de Pierre, les apôtres peuvent nous enseigner. Alléluia. Tu vas te cacher. Et dans cette cachette, tu vas souffrir. Mais c'est une souffrance de formation. Que dit-il dans le Psaume 57? Psaume 57, verset 7. Oui. Il avait tendu un filet sous mes pas. La Bible dit ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. C'est mon âme souffrait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils ont creusé un trou, c'est une tombe. Et ils y sont tombés. Et même, ils sont tombés dans leur propre trou. Dis amen. S'il y a des sorciers qui ont creusé des tombeaux spirituels pour t'anéantir, pour faire de toi les choukouyas, pour t'enterrer cette année, eux-mêmes, ils seront avalés par leurs propres actions. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, je te proclame ses œuvres, je te proclame les manigances, je te proclame pour la vie et la longévité, au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? On t'a vu, tu es mort. On t'a vu, tu es mort. On t'a vu, tu as fait accident. On t'a vu, c'est mort. Toujours, on voit mort. Quand il vient dire, mon ami, toi, tu vois mort sur moi. Au lieu de penser à avoir l'argent, c'est mort, tu vois. Fais attention, on dirait que c'est pour toi là que tu es en train de voir. C'est que fait quand vous soufflez, quand les gens parlent comme ça, en même temps, vous avez peur. Par moment vous parlez, mais quand vous partez vous asseoir, le film vous revient et vous commencez à méditer. Laissez-moi vous dire, ne méditez jamais ce qui est négatif. Méditez plutôt sur ce qui est positif. On vous annonce une mauvaise nouvelle, n'allez pas vous asseoir, mettre vos mains sur vos mentons et demander, hey, c'est quoi ça encore? C'est que dès le moment où tu commences à mijoter, à dire, c'est quoi ça encore? C'est que le virus dit. Commence à entrer pour détruire ton moral. Quand ton moral est atteint, en même temps ton âme faiblit. Quand ton âme faiblit, les œuvres du diable commencent pour attirer, à alourdir ton esprit. Et dès cet instant, ta chair commence à subir la sentence. C'est pourquoi ne permets pas aux gens de jouer sur ton moral. Je demande pardon. Hein? On a qu'à tout te dire. Mais ton moral là, faut garantir ça. Et tu ne peux garantir ton moral que par la foi et la confiance en Dieu. La foi et la confiance en Dieu. Parce que la foi et la confiance assurent la sécurité. Lisez le psaume 91. Psaume 91, verset 7. Que dit Dieu? Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Jamais. Ici, on me pique. On me pique. On me pique. On me pique. Mais je suis arrêté, dit amen. Je ne serai pas atteint.
une manière de te dire, Dieu dit, ne sois pas effrayé. Et c'est normal qu'on t'attaque, dis amen. J'entends les chrétiens dire, faudrait pas qu'on m'attaque. C'est moi toujours en attaque. Si on t'attaque, c'est bon, dis amen. On peut t'attaquer sans t'avoir. Que mille tombent à ton. Non, pas des flèches. Flèches, là, quand on tire sur toi, ça va te tuer. Est-ce que tu sais que un homme qui a une communion avec Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui croit en Dieu, un homme que toute sa vie est la respiration de Dieu, dans son âme réside l'âme de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir la personne. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, dès cet instant, tu marches. Amen. Tu marches. Mais ce n'est plus toi qui marches. C'est Jésus qui marche en toi. Et par toi, il produit des œuvres d'espoir. Amen. Vous comprenez? Paul l'a dit, hein? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Et il a dit, ma vie aujourd'hui, j'ai la vie en Christ Jésus qui m'a aimé et qui s'est donné sur le poteau de la croix. Quelle considération pour la mort de Jésus. Quelle considération pour la résurrection du Christ. Quand tu arrives à ce niveau, mourir pour toi devient un gain. Paul a dit, mourir pour moi est un gain. Mourir, plutôt vivre, c'est vivre pour le Christ. Vous comprenez? Donc tout ce que tu vas faire sur terre, dis que je fais ça pour Dieu. Quand je danse pour Dieu. Quand je mange pour Dieu. Quand je m'habille bien, je m'habille pour Dieu. Je m'habille pour que les gens se convertissent. Je mange pour que les gens sachent que Dieu est vivant. Je souris parce que les gens doivent savoir que les problèmes et les problèmes ne vont jamais finir dans la vie d'un être humain. On les appelle un compagnon fidèle. Dis amen. Donc je m'agnagne. Je m'agnagne. Dis à ton frère, je m'agnagne. C'est tout. Donc, ta vie est calme. Satan même te regarde, mais lui, c'est un fou. Quelqu'un dit, lui, vit pour Dieu. C'est quoi ça? Quel lui-même là? Il veut mourir lui-même. Mais un type comme ça là, si je vais le tuer là même, j'ai gagné quoi même? Rien. Donc, il préfère te laisser tranquille. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, homme habitué à la souffrance. Que Dieu te bénisse. Je te prie en ce soir de mettre une chose en tête. Que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh my God. Les œuvres du diable. On n'a pas dit pour détruire le diable. Amen. Dans un combat, chacun reçoit des coups. Mais c'est la fin du combat qui compte. Le diable peut t'attaquer, te déformer. Mais est-ce qu'il t'a tué? Hein? Est-ce qu'il t'a tué? Il ne peut pas te tuer. Son objectif, c'est ton âme. En te frappant, quand tu dis Dieu, tu n'existes pas. Et puis tu vas à l'enfer. C'est son objectif. Il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut vous séduire. Cette nuit, tu vas te lever. Tu vas dire, Dieu, j'ai compris ta parole. Tu vas regarder dans ta vie et tu as dit, Seigneur, je me rappelle qu'on m'a dit que tu m'as donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Je me rends compte que Seigneur, j'ai minimisé ma vie. J'ai joué avec la grâce que tu as mis en moi. Parce que j'ai plutôt compté sur les hommes que sur toi. Sur les hommes que sur toi. Aujourd'hui, je peux compter sur toi et sur moi. Qui est d'accord? Qui peut faire une prière comme ça? Dès cet instant, tu vas commencer à voir les choses tomber. Dis amen. Tu vas voir les malédictions tomber.
stérilité là, ça va tomber. Chômage là, ça va tomber. J'ai simplement dit à un jeune, et je m'arrête là, qu'on a même maudit dans la famille. Quelqu'un qui a fait l'INSET. Quelqu'un qui fait l'INSET, il a brillé à l'INSET. Et il aime son coup. Il sort, il n'a pas de travail. Sur 5 ans. On lui donne comme solution que dans la famille, pour devenir quelqu'un, il y a une au village. Son papa n'a qu'à donner un mouton. Et son papa lui-même, pour trouver le travail, il a donné un mouton. Son petit n'a qu'à lui donner un mouton. Et heureusement pour lui, que son oncle fut chrétien. Et il est chrétien. Donc ça fait que sa vie ne peut plus s'épanouir. Il ne pouvait plus. Même pas stage. 5 ans. Il est venu à nos prières. Au moment de finir la prière, l'onction était partie. Dis l'onction était partie. Mais la parole était là. Dis la parole était là. Le monsieur se lève, son oncle se lève et dit, hé, mon fils, il dit oui, on y va. Et tu vois, regarde un jeune comme ça. Comme l'année l'a fini. Regarde. Il n'y a pas de travail. On passe ici, on passe ici. Jusqu'à ce que les parents demandent là, moi je suis chrétien, je ne peux pas. Et je lui ai dit que Dieu peut le sauver. Donc je l'envoie. Il faut prier un peu pour lui. Il n'a pas, il faut prier beaucoup. Dis amen. Il faut prier un peu. Je l'ai regardé. Alléluia. De la tête jusqu'aux pieds. Je lui ai dit simplement, mon fils, va. La malédiction est quittée. Tu vas avoir travaillé dans peu de mois. Je n'ai même pas fini de parler. On a dit des paroles sur sa vie. C'est paroles qui annulent paroles. Comprenez ça aujourd'hui, Africain. C'est paroles qui annulent paroles. Il est parti. Je l'ai oublié. 3 mois après, j'étais à la Riviera 2 au feu. Je vois quelqu'un qui approche ma voiture qui tape. Coucou, coucou. J'ai même un peu peur. Ça, c'est la vérité. Il y a trop de braquins à Abidjan. Lui fait ça. Berger. Je baisse les vies. Il dit oui. C'est vrai, je te connais. Il dit ouais, tu avais prié pour moi. Tu m'as dit seulement une phrase. Je n'ai pas cru que j'étais délivré. Parce que pour moi, être délivré, c'est trembler et tomber. Les gens n'ont rien compris, quoi. Vous avez beaucoup d'argent pour payer le savon, les gars. Il y a beaucoup d'argent pour payer facture de saut de cils. Il n'y a pas de problème, tu peux tomber, trembler. Et puis, il n'y a pas de problème. Tremble, tombe, c'est ton problème. Mais ne viens pas dire que tu es venu à la prière de Jean-Baptiste, tu es tombé, tu es blessé. Ça, c'est ton problème. Ça te comme. Alléluia. Amen. Et du coup, il me dit, je viens d'avoir un travail. Il dit, travail. À la bénette. À la fin de ce mois, je commence. Depuis, je vais voir mon oncle, je n'arrive pas à le voir pour qu'on mette la main sur toi. Donc, je te cherche et comme on a volé mon portable, je n'avais plus ton numéro. Donc, je suis en train de t'informer. Tu es où? Et puis, je lui ai montré l'endroit. Il dit, il est passé 3 jours après et il m'expliquait. Et il me dit, c'est du jamais vu. Je serai directeur de projet. Alléluia. C'est ce qu'il me dit, hein? Directeur de projet. Il dit, pas de stage, non. Je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé, mais on me prend en même temps, je suis directeur de projet. Il dit, ah bon? Oh. Il dit, vraiment, il y a parole et puis il y a parole. Dis amen! Chrétien, arrête de rabâcher. Arrête de bavarder. Arrête de pépesser. Arrête de juger. Faut conserver ta parole pour annuler des mauvaises paroles. Amen. 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 Aujourd'hui, à peine combien l'enfant en 4-4. Il est content. Il prie avec nous. Il dit amen. Amen. C'est pas fini. Je suis en train de te dire que toi, depuis 4 ans, tu cherches travail, tu as fini du cas, tu traînes, on dirait poisson qui est sorti de l'eau là. Je te dis que cette eau là, faut sortir de là, faut aller dans une eau qui est propre, faut laisser marier des gens.
faut laisser Marie des gens qui avoir travail là. Parce que tu es dans une fausse eau. Dans le courant de cette eau t'empêche d'évoluer. Sors de là. Et je te donne un mois pour avoir un travail qui va, tu vas avoir un stage qui va aboutir à l'embauche. Ça ne va pas discuter. Dis amen. Dis amen. Je suis en train de prier Dieu et tu vas lever la main. Oh, service d'ordre, mettez-vous partout. C'est un mouvement dans l'esprit. Mettez-vous un peu partout. Asseyez-vous bien. Je suis en train de sentir une grâce pour détruire tout ce qui est chômage au nom de Jésus. Ouais. Prie après moi, Jésus. Il m'a été rapporté que c'est toi qui restitue tout ce que Satan a volé à ma vie. Il m'a été rapporté que le travail se trouve entre tes mains. Alors Seigneur, étends ta main et viens briser la chaîne au nom de Jésus-Christ. Je te le dis, si je travaille, ce sera pour ta gloire et ton œuvre. Oh, toi d'Israël, lève-toi et fais fondre ta puissance pour annuler le chômage. Car tu as dit, l'homme doit manger à la sueur de son front. Seigneur, je suis fait pour travailler. Maintenant, pour la gloire de ton nom, établis l'alliance. Établis l'alliance. Établis l'alliance. Que toi et moi, à partir de ce soir et cette nuit, que mon nom soit inscrit dans le livre du souvenir, au nom de Jésus, que l'encre du sang du Christ. Merci Seigneur. Tu vas sentir quelque chose qui commence à se promener. Mais n'aie pas peur, la puissance de Dieu est en train de penser à toi. Ah, ah. 12 tribus d'Israël, la grâce que vous avez reçue, propagez-les au milieu de nous. Prostrez les 12 anges en ce lieu. Rectifiez tout ce qui est aigu. Rectifiez tout ce qui est tordu. Tout ce que Satan a pu établir dans la vie des gens. Je te demande pardon éternel. Je te demande pardon éternel. Que tes enfants entrent dans une autre année avec des écriteaux nouveaux. Des enfants baptisés par toi, qui ne sont plus à la queue, mais à la tête, qui sont à la lignée du succès. Oh Dieu! Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.